J'ai dit précédemment des mots nombreux qui venaient à propos. Et je n'ai pas de honte à dire le contraire. Car alors qu'on fourbit sa haine contre ceux que l'on hait, sous l'air de les aimer, comment ne lèverait-on pas les filets du malheur assez haut pour interdire le bon ? Pour moi, depuis longtemps, ce combat obsédait mon esprit. La victoire, donc, est venue. La chute, à la longue, il est vrai. Et je demeure où j'ai frappé, debout, sur l'œuvre menée à bien. J'ai agi. Cela, je ne le nierai pas. En sorte qu'il ne puisse ni fuir, ni parer à son sort. Sous une chape sans issue, semblable au filet des poissons, je l'enserre, lui offrant ce manteau de mauvaise richesse. Et par deux fois je frappe, et en deux cris, deux oïs, il laisse aller ses membres, et le voilà tombé. Alors je frappe un dernier coup, dédié au souterrain Hadès, le sauveur des morts, en action de grâce. C'est ainsi qu'en tombant, il recrache son souffle, et répandant le sang rapide de sa gorge tranchée, il fait pleuvoir sur moi les gouttes noires d'une rosée de pourpre. Et non moindre est ma joie que sous la riante ondée de Zeus, la joie du grain qui germe dans la balle en gésine. Tels étant les faits, vous qu'on révère parmi les Argiens, réjouissez-vous si vous en avez joie. Pour moi, j'exulte. Et s'il était dans les convenances de faire délibation sur un cadavre, ce ne serait ici que justice. Plus que justice même. Si grand, si exécrable étaient les mots dont il avait rempli le cratère de la maison qu'il l'a vidé lui-même à son retour. Nous admirons ta langue. Et ta bouche effrontée, toi qui te vantes en tel discours aux dépens d'un époux. Vous m'éprouvez comme une femme perdue d'esprit. Mais moi, d'un cœur intrépide, à qui le sait, je dis. Ceci est Agamemnon, mon époux. Cadavre. Par cette main droite, le travail d'une juste ouvrière. Voilà ce qu'il en est. Quel fruit mauvais, ô femme! Quelle nourriture du sol! Quel breuvage jailli de l'écume salée as-tu pris pour t'offrir une telle victime et rejeter ainsi les malédictions du cri populaire? Tu les as écartés, tu les as émondés, tu seras expulsé de la cité, solide haine à tous les citoyens. Merci. Tu me condamnes aujourd'hui à l'exil.
à la haine des citoyens et aux malédictions du cri populaire. Toi qui, jadis, n'imputas rien d'hostile à cet homme, lorsque, sans plus d'égard que pour la mort d'une bête choisie dans le troupeau laineux de ses brebis sans nombre, il sacrifia sa fille, la très chère de mes douleurs, pour conjurer les vents de Thrace. N'est-ce pas lui qu'il eût fallu chasser de notre terre pour prix de ses souillures? Non. Tu entends mes actes. Et te voilà un âpre juge. Mais je te le dis, fais en sorte si tu menaces, car je suis prête à te le rendre, de me vaincre par ton bras et de régner sur moi. Si un dieu accomplit le contraire, du moins, tardif apprentissage, connaîtras-tu la saine pensée? Grande est ta ruse. Et tu avoues une hautaine pensée. Aussi bien dans l'heure où le meurtre a coulé, l'esprit délire et s'imagine qu'il a bel air, le gras sanglant qui recouvre les yeux. Déshonoré, privé d'amis, tu paieras coup pour coup. Et toi, entends l'arrêt de mon serment. Par justice, aujourd'hui, faite à mon enfant, par Irénie et par Calamité, à qui j'ai égorgé cet homme, mon espoir ne foulera pas les hautes chambres de terreur, aussi longtemps qu'Égiste allumera le feu de mon foyer. Et comme avant, me gardera sa bienveillance. Le voilà, gisant, l'outrageur de sa femme, le miel des Chryséis sous le rempart d'Ilion. Et la voici, la captive des lances, la diseuse d'oracle, sa concubine hallucinée, la fidèle compagne de sa couche qui usait avec lui le banc des matelots. Tous deux ont subi leur sort, qui n'était pas immérité. Lui, comme il a été dit, pour elle, à la manière du cygne ayant chanté son dernier chant, sa complainte de mort, elle gît ici, amante de cet homme qui me l'avait amenée en condiment de mes plaisirs. Hélas, puisse-t-elle venir, rapide, sans douleur trop vive, et sans lit de souffrance, la moire qui portera en nous le sommeil sans fin ni cesse. Puisqu'il a été dompté, le gardien très bienveillant, qui à cause d'une femme avait tant enduré, et dépouilla sa vie par le fait d'une femme. Yo, yo. Oh, Hélène, toi qui seul détruisis tant et tant de vies sous Troie. N'invoque pas la moire, n'implore pas ta part de mort, accablée d'un tel poids, ni contre Hélène ne tourne ton courroux,
pour ce que, ayant seule détruit tant de vies d'hommes grecs, elle aurait amené un mal qui ne se guérit pas. Démon ! Il frappe la demeure. Et les deux rejetons de Tantale. Ils gouvernent la victoire de deux femmes à l'arme égale. Et leur victoire me mord les cœurs. Dressé à présent sur le corps à la façon d'un corbeau de haine, il se fait gloire selon l'usage d'entonner l'hymne triomphal. Tu viens de corriger ta bouche en désignant trois fois repu le démon de cette lignée. C'est lui qui nourrit ce désir, cette soif à laper le sang dans notre ventre. À peine est-il tari le mal ancien que déjà suinte un pu nouveau. Io, roi, Io, mon roi, comment te pleurerai-je? Quelle pensée, quel mot d'amour te dirai-je? Car te voilà gisant dans cette trame d'araignée. Et ta vie, tu l'exhales dans une mort impie. Malheur, malheur à moi. Tu gis sur une tombe qui n'est pas d'homme libre. Dompté par la main d'une épouse. Meurtri de fourbes morts sous le fer à double tranchant. Tu prétends que c'est là mon œuvre. Mais ne dis pas, ne va pas penser même que je serai l'épouse d'Agamemnon. Sous les traits de la femme, de l'épouse de ce cadavre, c'est l'antique vengeur âpre à punir à trait son cruel festin qui a perçu la dette. Offrant à des enfants le sacrifice de cet homme accompli. Que tu sois innocent de ce meurtre, où est celui qui en témoignera? Et comment? Comment? Un vengeur au nom du Père pourrait bien être venu pour te prêter main forte. Et dans les flots du sang fraternel, il fait rage le noir Arès, vers l'heure où il rendra justice au sang figé d'une pâture d'enfant. Je ne crois pas même qu'il soit mort de mort serve. N'est-ce pas lui qui installa dans la demeure la perfide calamité? Sur la jeune pousse déjà grande, sur celle que j'avais de lui, sur Iphigénie tant pleurée, ayant commis, il a subi ce qu'il a subi. Aussi qu'il n'aille pas se glorifier chez Hadès, car il a payé sous le fer ce qu'il avait inauguré. Mon esprit tout désemparé cherche en vain une idée inventive. Où me tourner quand croule la maison? Je crains l'averse qui fait la demeure s'effondrer sous son fracas de sang. Ce n'est plus le crachin, c'est la moire qui, pour une autre affaire de tort, aiguise la justice sous d'autres aiguisoirs. Yo, terre, terre, que ne m'as-tu reçu avant que je le voie couché sur le sol dur d'un bassin aux parois d'argent? Qui le mettra en terre? Qui chantera son traîne? L'oseras-tu? L'oseras-tu, quand tu viens de tuer ton époux, gémir pour lui la plainte aiguë, et en retour de sa grande œuvre, rendre à sa vie le déni de justice d'un outrageant hommage? Qui donc, sur le tombeau de ce divin mortel, prononcera l'éloge avec la peine de ses larmes et d'un sentiment vrai? Il ne te revient pas de te donner ce soin. C'est par nous qu'il est tombé. Par nous qu'il est mort. C'est nous qui l'ensevelirons. Non point parmi les pleurs de sa maison. Mais Iphigénie, sa fille, allant au-devant de son père, joyeusement, comme il convient,
au bord du courant des douleurs, jetant à son cou ses deux mains, l'embrassera. Voici l'outrage en réponse à l'outrage. Combat difficile à trancher. Il est pris, celui qui prenait. Il paie sa dette, celui qui tue. Reste ceci. Comme Zeus reste sur son trône, que celui qui a fait subira. Car c'est dans l'ordre. Qui donc extirpera de la demeure la semence de malédiction? Elle est collée, la race, à la calamité. Enfin, par cet oracle, tu touches la vérité. Pour moi, donc, je veux bien, par serment juré au démon des Atrides, me satisfaire de l'état des choses, si dur soit-il à supporter. Mais qu'il sorte de cette maison et qu'il s'en aille à l'avenir, épuiser une autre lignée avec des meurtres familiaux. Pour ses richesses, la moindre part m'en suffira. Si je peux extirper du palais ces délires de meurtres rituels.